Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 du Let's Play sur Ruby, Omega, Saphir, Alpha, Pokémon. Et j'ai décidé de reprendre dans cette arène parce que j'ai le sentiment que quelqu'un nous attendait devant l'arène. Emma, tu as l'air en pleine forme, ça fait plaisir à voir. Je veux dire, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais en train d'affronter la team je ne sais plus quoi. Je me demandais si tu allais bien depuis... Quoi ? Tu les as encore battus après ça ? Et tu as gagné ? Tu es décidément trop fort, ça ne fait aucun doute, je suis en admiration. Et alors, cette jolie pierre toute brillante, c'est la météorite que tu as récupérée donc ? Ah oui, j'ai failli oublier, je voulais te donner ceci. Ah, lunettes sable, merci, t'es un chou. Emma s'équipe des lunettes sable, et on se retrouve donc ici, dans le désert. Bon, je ne me souviens pas du nom. Avant que le let's play ne commence, j'avais proposé un sondage à mes abonnés pour savoir qui sera mon sixième Pokémon. Bien, vous avez décidé de choisir. C'était serré entre Galam et du coup, je vais capturer un. Voilà, enfin un craquenois. Ça fait bien une vingtaine de Pokémon que j'ai rencontré. C'est le premier craquenois que je vois, quoi. Merci beaucoup. Alors par contre... Vendetta, il meurt pas. Hein. Oh mon dieu, il est plus rapide. Un craquenois rapide. Eh mais ça pourrait être bien, genre un plus vitesse. Moins attaque spé, ce serait gentil si c'est le cas. Oh my lord, oh my goodness, je dois l'attraper maintenant, sinon mon griffe est mort. Honor ball. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, Ike. Ok, c'est bon, j'arrête mon cirque. Et hop, craquenois attrapé. Enfin, on va pouvoir se diriger vers Clémentiville. Oh, oh my lord. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Oh mon dieu. C'est le même nom qu'un gun. Qu'une arme, quoi. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? C'est une CT. On est dans une grotte enflammée. Ou... enflammée. Très chaude. Lance-flamme. Oh, toxique. Putain. Les gens, c'est pas génial, il est jovial. C'est magnifique, c'est génial, c'est génial. Et donc j'ai repris Pifeuil comme CS Slave que je rajoute dans l'image d'en dessous. Vu qu'il a toutes les CS, il est magnifique. Alors, où est-ce que je vais maintenant? Ta-da-dan, ta-ta-tan. Pépite. C'est génial. Sale coup critique, j'adore. Ah mais merde, mais mon craquenois n'avait plus de PV. Oh mon griffe. Oh non, je peux pas. Ah, je peux pas. Il est de quel level? Ok. Mon griffe contre mon griffe, je vais prendre le risque. J'en ai rien à foutre. Mon griffe contre mon griffe. Non ! Non !
un level en plus et il était mort. Padre. Alors comme ça, tu as réussi à obtenir 4 badges. Dans ce cas, je te propose de m'affronter comme promis. Ok, donc j'ai juste pas fait 2 salles. Donc il y a juste 2 salles que je n'ai pas faites. Et donc je vais envoyer d'abord Masco au combat. Pour le premier ce sera Masco, pour le deuxième ce sera Mangriffe, pour le troisième ce sera mes tanks. C'est ça ma tactique, si on peut parler de tactique. Hein. Norman. Il envoie en premier son monaflémite. Attends, il a combien de monaflémites lui? Un ou deux? Mon dieu, s'il en a deux, je suis mort. Alors, il me fait 57. Je retiens. Ouais. Ouais, c'est bon. Oh merde. Putain, quoi. Coup critique, coup critique, coup critique. Ah ok, bien. Plus 26, ouais, d'office j'ai plus que... J'avais pas genre dit 57? Oh putain. J'aurais dû le voir venir. Mais est-ce que je suis plus rapide? Je pense pas, donc je vais pas prendre le risque de faire aiguisage. Si encore j'avais abri quoi. Si j'avais eu abri. Ouais non, sans tête. Ouais, il est plus rapide que moi, j'ai bien fait. À mon avis, il est plus rapide que moi. Du coup, encore, c'est parfait, c'est ce que j'avais prévu de faire. Yes, bien joué, mon griffe. On va continuer avec Mangriffe tant qu'il en est capable, hein, écoutez. Eh ben là, je pense que je suis bien baisé. Mon dieu, quoi, c'était quoi ça comme attaque? Attrition. À mon avis, c'est son attaque signature. Même si pour une attaque signature, c'est pas non plus super beau. Hein. Absentéisme. Mais il est plus rapide que moi, ce bâtard.
Oh mon Dieu, je ne lui fais rien. Mais je lui fais que dalle, quoi. Ça baisse sa vitesse. Est-ce que maintenant vous pensez que je suis plus rapide que lui? Yes, je suis plus rapide que lui, donc j'aurai une chance de l'apeurer durant le prochain tour. Non, il est plus rapide. Il utilise feinte, mais je pense pas être mort. Oh, un PV. Piste au point ne le tue pas, je prends quand même le risque. Et il n'y a pas de speed tie, il est vraiment plus lent que moi. Je gagne, mais Tang sauve encore la situation. Mais il est là pour ça. Cracknoir monte au niveau 26. What? C'est dommage qu'on voit pas les stats, mais Tunnel est bien plus puissant vu qu'il est bien meilleur en attaque. Et puis bon, il est jovial quoi. C'est encore pire. Bon ben mon père, ce moment devait arriver. Quel progrès, c'est impressionnant. Tout ça, en même pas 24 heures quoi. Très bien, voici ta récompense. Vengeance, j'imagine. Vengeance. Vengeance. En fait, je vous explique, Vengeance, c'est le nom de Revanche au Québec. Et Revanche, c'est une série que j'adore. Mais il l'appelle Vengeance au Québec et Revanche en France. Et aussi Revanche en Amérique, accessoirement. Voilà, voilà. On s'en fout complètement, quoi. Emma. Je te raccompagne vers la sortie, suis-moi. Bon. On utilise Surf avec notre Tentacool pour passer de l'autre côté de la rive. Voilà, et on récupère surtout la super canne. Attention, la séquence qui va suivre est inédite dans cet opus. Elle n'était pas présente dans Ruby et Saphir. Donc, pour éviter de vous spoiler, je vous le dis directement, il ne va plus rien se passer après le spoil. Du coup, arrêtez la vidéo immédiatement. Il n'y a aucun problème. Moi, ça me dérange pas. Je vous dis déjà au revoir, salut, bonne journée d'ailleurs. Et c'est juste pour vous dire aussi que dans le prochain épisode, le spoil continuera, mais je vous mettrai clairement au début de la vidéo à quel moment ça ne spoil plus. Et voilà, tout simplement, j'ai pas envie de vous faire spoiler et pas vous faire spoiler, mais je trouve que ce truc-là, il faut garder, il faut avoir la surprise, et je pense que pour ceux qui vont s'acheter le jeu, c'est mieux qu'ils le découvrent sur leur 3DS que sur une vidéo. Donc voilà, bonne fin de vidéo aux autres, et ciao tout le monde. Salut, ça fait bien longtemps qu'on s'est rencontrés dans la grotte granite, tu te souviens? À propos, le monde regorge de Pokémon de type varié. Qu'en penses-tu? À vrai dire, je ne devrais pas m'en préoccuper. Mais tu m'intrigues, je ne peux pas faire comme si tu n'étais qu'un dresseur ordinaire. Yes. Oh. C'est la Thias. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh. C'est comme dans la démo. Ah ouais, même musique, même cutscene.
Oh. Nous y voilà. Merci, Latias. Quel est ce sentiment qui m'envahit? C'est ni de la peur ni de l'angoisse, mais c'est déstabilisant. Oh. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé.